أول الأصوات المعبرة بنعم 3,355,518 صوت معبر عنه، أي بنسبة إجمالية تقدر ب 66.80%. 2. الأصوات المعبرة بلا 1,676,867 صوت معبر عنه، أي بنسبة إجمالية تقدر ب 33.20%. إن الجزائر وبعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية ستدخل عهدا جديدا بدستور جديد اختاره الشعب بكل مسؤولية، والذي سيكون حجر الزاوية في بناء جزائر جدية تكرس الديمقراطية التشاركية والشفافية في تحقيق الإرادة الشعبية. Le résultat du référendum sur la constitution a été dévoilé. La nouvelle constitution a été adoptée avec 66,80% des voix sur les 5,586,256 participations au scrutin. Lors d'une conférence de presse tenue ce 2 novembre 2020 à Alger, le président de l'autorité de contrôle des élections en Algérie, Mohamed Harfi, a dévoilé le résultat du référendum sur la constitution. En effet, Harfi a annoncé l'adoption de la nouvelle constitution avec un taux de 66,80% des suffrages, avec un taux de participation de 23,7%, soit 5,586,256 sur les 24 millions d'Algériens attendus ce dimanche 1er novembre afin d'exprimer leur position sur la nouvelle constitution, rapporte en effet la même source. Pour rappel, la réforme constitutionnelle porte sur 6 principaux axes, à savoir les droits et libertés, la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, la transparence et la lutte contre la corruption, l'autorité électorale indépendante.